Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct pour ce nouveau numéro de La Voix est libre sur France 3 Bourgogne. Aujourd'hui, nous revenons sur la réforme territoriale voulue par le président de la République et nous nous intéresserons plus particulièrement à l'éventuelle suppression des conseils généraux ou conseils départementaux selon leur nouvelle dénomination. Alors, c'est une évolution qui sera une véritable révolution dans l'organisation administrative. Pour en débattre, sont présents sur ce plateau Cécile Untermaier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste de Saône-et-Loire et conseillère générale du canton de Seine-Selgran. Jean-Baptiste Lemoine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller général du canton de Cherroy, maire de Valéry et vice-président du conseil général de Lyon. Michel Neugnot, bonjour. Bonjour. Premier vice-président du conseil régional de Bourgogne et secrétaire fédéral du Parti socialiste de Côte d'Or. Vous avez été également conseiller général dans ce département. Et puis Pascal Grappin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional, maire de Villebichot en Côte d'Or. Vous êtes également le président du Nouveau Centre et délégué départemental de l'UDI en Côte d'Or. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez réagir, poser vos questions à nos invités directement via Twitter, hashtag LVEL Bourgogne ou hashtag F3 Bourgogne, sur Facebook ou sur notre page Internet. Alors on va rappeler rapidement le contexte. Début janvier, le président de la République appelait de ses voeux une réforme des collectivités territoriales pour en finir avec les enchevêtrements, les doublons et les confusions, disait-il. Et puis lors de son discours de politique générale, Manuel Valls lui a annoncé la fin des conseils généraux à l'horizon 2021. Et puis François Hollande lui a demandé d'accélérer cette réforme. Et dans son interview télévisée de lundi dernier, il a expliqué que repousser les élections de 2015 à 2016 serait intelligent pour laisser le temps à la réforme. Alors le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres très prochainement. Cécile Untermaier, est-ce que vous avez été surpris par cette succession d'annonces en ce début d'année ? Pas particulièrement, un peu quand même, mais je dirais heureusement surprise, parce que cette accélération, nous étions de nombreux députés à la souhaiter. Nous avons le souci, effectivement, que le changement se fasse dans le réel. C'était un reproche, à mon avis, quand même infondé qui était fait à François Hollande. Pour le coup, on ne pourra plus lui faire ce reproche. On est vraiment en prise maintenant sur le réel et sur des modifications qui importent aux Français, qui importent parce que la compétitivité est là, la crise est là, et il faut accélérer des dispositifs simplificateurs et des dispositifs qui permettent à la fois de gagner du temps, faire des économies et donner de la rationalité à l'action publique. Donc vous ne faites pas partie, comme Claudie Le Breton, le président de l'Assemblée des départements de France, avoir été groggy, a-t-il dit ? Oh non, moi je ne suis pas groggy, hein, je suis prête à discuter de tout et d'autant plus quand une réforme importante de cette nature peut éclore avant 2017. Jean-Baptiste Lemoine, on n'a pas cessé d'entendre la droite fustiger la réforme et ça fait plus de 20 ans finalement qu'on en parle. Alors est-ce que ça veut dire que l'UMP par exemple n'est pas favorable à l'allègement de ce millefeuille administratif dont on parle tant ? Ben, nous, surtout, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, manifestement, est là dans une manœuvre et qu'il veut, en réalité, éviter tout simplement le licenciement par le peuple des exécutifs socialistes départementaux et régionaux l'année prochaine. Parce que oui, il y avait des élections prévues en 2015. Et là, à travers cet habillage, en disant on va réfléchir, etc., hein, on va reporter les élections. Moi, je crois que surtout, voilà, ils veulent éviter qu'on revote après cette claque monumentale des municipales. D'ailleurs, la Bourgogne a bien montré, Chalon, Sens, etc., de nombreuses collectivités. Donc, manœuvre dilatoire, je pense, parce que sinon, comment expliquer que, par exemple, Mme Untermaier, l'année dernière, ait voté l'abrogation du conseiller territorial, qui était justement le début de cette rationalisation, un homme ou une femme qui représentait eh bien, et le département et la région, et comment expliquer aussi, à ce moment-là, que la majorité socialiste soit revenue sur eh bien, la fin de la clause de compétence générale. C'est vrai qu'on voit là un peu l'improvisation au quotidien, bref, la marque de fabrique du pouvoir actuel. Eh bien, c'est ce dont nous allons débattre. Michel Neugnot, c'est un bon moyen, cette réforme, pour le chef de l'État de reprendre la main, j'allais dire. Ben, je vois à travers les interventions que l'esprit de réforme qui est très fort quand l'échéance est lointaine tombe comme un soufflet quand l'échéance se précise. Et je pense qu'il est important, justement, de faire ça pendant ce quinquennat, parce que d'alternance en alternance, on ne fait que du bidouillage et on ne pose pas les problèmes de fond.
L'avenir, c'est quand même, est quand même écrit depuis longtemps. L'Assemblée nationale regorge sous des rapports depuis une vingtaine d'années. On sait très bien que l'avenir, ce sont des intercommunalités avec des services de proximité et ce sont des régions fortes qui dialoguent avec l'Europe. Et elles sont notamment actuellement autorités de gestion des fonds européens. Je crois que c'est cela. Et puis un État qui garde une proximité territoriale pour assurer ses missions de base et assurer justement les péréquations nécessaires pour qu'aucun des territoires ne soit oublié. C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Et toutes les arguties qui sont données à visée purement électorale sont peu de choses au regard du travail que nous devons faire pour enfin, faire une réforme territoriale digne de ce nom. Après les lois de décentralisation de 82, on a fait un empilage de compétences des uns et des autres. Il est grand temps de mettre à plat tout ça et de le faire très rapidement. C'est ce que le président de la République a décidé. Et dans les échéances électorales qui ne nous ont pas été très favorables, je pense qu'un des grands reproches, c'est justement de ne pas avoir fait vite un certain nombre de choses que les Français attendent. Et la réforme territoriale est attendue de nos concitoyens. Alors, toujours en guise d'introduction, Pascal Grappin, on a beaucoup entendu à votre président François Sauvadet s'offusquer de ses annonces. Et puis en même temps, Yves Jégo dit, lui, qu'il faut une réforme. Alors, quelle est la position finalement à l'UDI alors ? Écoutez, moi, dans un premier temps, Éric Sicot, vraiment, je voudrais remercier la rédaction de France 3 d'avoir organisé ce débat. Parce qu'on a deux représentants du Parti socialiste, ils vont certainement nous apporter des informations. Parce qu'on est quand même aujourd'hui à pas un an, d'élections très importantes pour notre pays, des élections départementales, des élections régionales. Personne ne sait aujourd'hui comment ça va se passer. On assiste, j'ai envie de dire, à une course à l'échalote entre le président de la République et puis le Premier ministre. Il y en a un qui annonce une réforme. Le cap, c'est 2021. L'autre, il dit non, c'est maintenant, c'est 2016. C'est du grand n'importe quoi. Vous ne vous préoccupez pas de la vie de tous les jours, de la vie des gens, parce que c'est quand même de ça dont il faut parler. Vous avez amusé la galerie pendant un an et demi avec la réforme du conseiller territorial que vous avez abrogée. Et vous avez même abrogé cette réforme au prétexte que nous voulions condamner les conseils généraux. C'était, selon vous, nous qui voulions condamner les conseils généraux. Alors que cette réforme du conseiller territorial, elle amenait, elle rapprochait, comme l'a dit mon voisin, elle rapprochait les deux institutions et petit à petit, on allait arriver vers quelque chose de cohérent. Et là, d'un seul coup, c'est fini, patatrac. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que le problème premier des Français aujourd'hui, c'est quand même l'emploi, c'est quand même la problématique de relancer l'économie, et c'est pas ce tripatouillage pour éviter de perdre la face en 2015 dans des élections comme vous l'avez perdu aujourd'hui. Alors, tripatouillage, manque de clarté. Écoutez, mais la manœuvre dilatoire, moi je la vois chez vous. Parce qu'on est au pied d'une grande réforme territoriale que tout le monde attend. Une réforme de l'État, une réforme également de l'organisation territoriale. Et vous nous dites, c'est pas dans l'ordre des choses, il faut qu'on fasse les élections avant. Vous devriez nous féliciter, au contraire, de donner un coup d'accélérateur sur une mesure que vous appeliez de vos voeux, mais pas dans des dispositions telles que nous les souhaitions. Vous devriez nous féliciter d'avoir ce courage d'aller très vite dans un dispositif qui est attendu de tous nos concitoyens. Donc la manœuvre dilatoire, moi je l'écarte, je pense qu'elle est au contraire de votre côté. Il ne faut pas craindre les réformes, il faut y aller. Donc au contraire, soutenez-nous. Vous le savez très bien que la population attend une clarté dans l'organisation territoriale. Moi je pense qu'il faudrait que là, vous fassiez preuve d'une vraie maturité, non pas d'une prise de position politicienne et que vous nous accompagniez dans cette grande réforme qu'attendent les Français. La deuxième chose, quand même, que je voulais dire, c'est que vous avez oublié de citer une chose. C'est qu'il y a eu une grande loi qui s'est passée, là, il y a peu de temps. C'est la loi sur les métropoles. Et ces métropoles, elles nous ont fait beaucoup réfléchir. Et vous avez un exemple qui n'est pas très loin, c'est celui de Lyon, où vous avez constaté que, de facto, eh bien, on a mis en place un dispositif où le Conseil général ne trouvait plus sa place dans cette métropole. Donc, il nous faut réfléchir. Et nous sommes là pour réfléchir. Et nous réfléchissons vite.
vite avec ce dispositif que nous mettons en place. Éric Sicot. Jean-Baptiste Lemoyne, peut-être parce que alors, il y a eu un appel de Manuel Valls à l'UMP, un peu de la même façon que vous venez de le faire. Il vous a dit soyez sincères, soyez courageux, réformons ensemble notre pays. Il y a Marielle de Sarnez qui dit ne pas comprendre, du MoDem, je précise pour nos téléspectateurs, qui dit ne pas comprendre la droite parce qu'on attend cette réforme depuis 20 ans. Comment expliquer ? Moi, je suis très clair. J'appartiens à une famille politique girondine, enfin en tout cas ce courant girondin au sein de l'UMP, depuis toujours attaché, je dirais, au rôle des collectivités locales. Je pense à des gens comme Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui ont été à l'œuvre pour approfondir la décentralisation, et ça, personne ne peut lui retirer. Cette notion a été approfondie dans notre Constitution et de bien des manières. Et je crois que nous devons naturellement réfléchir à notre organisation territoriale. Vous évoquiez effectivement les métropoles. Il est clair qu'à mon avis, l'organisation de la France comme un beau jardin à la française, justement, où tout est identique ou sous la même toise, peut-être nous devons y réfléchir, parce que je conçois que dans des espaces urbains très denses, par exemple, il faut peut-être une nouvelle collectivité ad hoc, effectivement, la métropole, qui va prendre les différents pouvoirs du Conseil général, éventuellement de la commune, etc. Mais en revanche, dans des territoires ruraux, moi je suis l'élu de Valry, dans le Gâtinais, au nord de Lyon, je peux vous dire, et je le constate d'ailleurs partout, hein, en Silfranc, en Carré-les-Tombes, enfin partout où je me déplace dans le département, on est quand même en risque de déprise, entre guillemets, territoriale par rapport à un certain nombre de services publics, de services tout court d'ailleurs, même parfois économiques dans certains territoires. Et de ce point de vue-là, je crois que l'échelon départemental garde toutes ses pertinences en milieu rural. C'est pour ça que j'ai envie de dire, ne nous gardons pas de mettre encore une fois toute la France sous la même toise, et qu'à mon avis, le département conserve sa plus-value pour, je dirais, fédérer les intercommunalités, les territoires ruraux. Est-ce qu'on ne risque pas d'éloigner effectivement les citoyens des centres de décision si on supprime les conseils généraux ? Attendez, ce ne sont pas les assemblées. C'est par exemple une des questions de Bernard, hein, oui, qui est responsable associatif et qui s'étonne, qui s'inquiète plutôt de ne pas trouver d'interlocuteur. Est-ce que vous pensez que c'est la décision ou non de supprimer les conseils généraux, de regrouper les régions, qui est l'essentiel pour répondre aux services de proximité ? L'organisation des services, quel que soit le niveau de collectivité, peut être tel que des réponses sont données. Ce que l'on veut exprimer à travers cela, c'est que le découpage administratif que l'on connaît actuellement est l'héritage de temps très anciens, plus que centenaires, avec des évolutions très fortes en matière de communication. La relation à l'autre est totalement différente actuellement. D'ailleurs, toutes les administrations, quelles qu'elles soient, toutes les entreprises, se coordonnent différemment sur le territoire. On a connu des temps où, par exemple, EDF était organisé avec des mailles cantonales. L'organisation du travail est totalement différente et on part d'une maille régionale. Est-ce que le service à la population a diminué ? Non, il est différent. Et il ne faut pas, ça c'est le faux débat, on va trouver X prétexte pour ne rien toucher, pour continuer de rajouter de la réformette à la réformette. Alors qu'à un moment donné, il faut changer les règles du jeu et avoir des réponses beaucoup plus claires. Nos concitoyens, la relation qu'ils ont, même le rôle du conseil général qui était donné il y a quelques instants sur un canton, c'était historiquement, il servait de lien entre les différentes communes d'un canton. Les intercommunalités, l'intégration des politiques n'existait pas quand le conseil général a été fait. Le conseil général reste ce que la relation voit, de celui qui n'en a pas. Hein. Ce que l'on voit, pour expliquer les choses, c'est que être conseiller général peut permettre de devenir président d'une intercommunalité, ou être président d'une intercommunalité permettre de devenir président du conseil général. On voit ça dans les parcours politiques des uns et des autres. Est-ce que l'on ne peut pas réfléchir à des missions de base qui sont assurées par des intercommunalités beaucoup plus grandes? Et moi, je pense qu'il faut au moins 20 000 habitants pour que ce soit significatif, et notamment que ces intercos puissent peser par rapport aux agglos qui sont plus fortes, et puis avoir des services de l'État qui sont aussi régulateurs en la matière. La région a une politique territoriale, a eu une politique de tout temps territoriale très forte, de partenariat.
Est-ce que le fait d'être sur 4 départements empêchait d'avoir, dans le canton de Charleroi, telle ou telle opération, dans le cadre de contractualisation financée ? Non. Je vous en parle, justement. Mais, vous en parle. Pascal Grappin. Je vois bien, là, la grande différence, finalement, qu'il y a entre nous et puis le Parti socialiste. Michel Nenio a répété plusieurs fois les services de l'État, les services de l'État, les services de l'État. C'est pas ça que l'on veut, nous, en tous les cas. Nous, ce que l'on veut, c'est une véritable république décentralisée, organisée dans les territoires et qui colle effectivement à un moment donné aux besoins des gens. Vous n'arrêtez pas de parler des services de l'État. Mais la première réforme dont vous devriez vous occuper, Madame Untermaier, au Parlement, mais c'est la réforme de l'État. On y vient, on y vient. C'est cette réforme-là que vous devriez. Le problème, on y vient. Oui, c'est pas ce dont vous vous occupez aujourd'hui. À chaque fois qu'on a vécu une phase de décentralisation, et on le sait avec les transferts de compétences aux régions, les fonctionnaires d'État n'ont pas diminué. Et les régions ou les autres collectivités ont été obligées d'embaucher pour faire fonctionner. Donc ça veut bien dire qu'il y a un véritable problème dans le fonctionnement de l'État. Alors commençons déjà dans un premier temps par organiser l'État. Et puis ensuite voyons au niveau de l'organisation des collectivités. Le premier problème, c'est le problème de l'organisation des compétences. Qui gère la compétence ? Qui a la responsabilité de la compétence dans le territoire, et j'ajoute, en proximité des gens. Vous oubliez dans votre réflexion à chaque fois les gens. Vous nous parlez de l'État, vous parlez des strates, vous oubliez les gens. Ce sont eux qui vivent dans les territoires. Alors, vous nous avez parlé, un dernier point, vous nous avez parlé des fusions des régions. Mais Michel Nenio, c'est pas en multipliant le terrain de jeu par deux que l'équipe est la meilleure. Il faut qu'il y ait une réflexion autre que celle-ci. Il faut qu'il y ait une réflexion qui soit autre. Vous nous dites, bah oui, on va le faire. Moi, en tous les cas, tout ce que je constate aujourd'hui, je rencontre tous les jours des conseillers généraux des maires, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi penser. C'est un bins effroyable ce que vous êtes en train de faire. Alors, une réforme de nos institutions comme ça, ça s'organise, ça se prépare. Nous sommes en ce moment dans une crise économique, pratiquement une crise sociale, et vous êtes en train d'ajouter une crise institutionnelle. Avant la réponse, deux commentaires de, je ne sais pas si on les a déjà vus sur l'antenne, de Nadège sur Facebook et de Georges. La première qui dit « Il y a trop d'élus, ça fera des économies, et comme les grandes régions, c'est une bonne idée. » Georges sur Facebook « Trop de double emploi entre régions et départements. » Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas confier aux régions et aux intercommunalités les compétences des conseils généraux ? Voilà un peu la question. C'est vrai que, comme disait M. Grappin, est-ce que la réflexion doit commencer par qui fait quoi ? Non, je ne pense pas. Je pense que, si vous voulez, quand on réfléchit à l'organisation territoriale, donc de l'action publique, on doit d'abord proposer une réforme, un cadre, et réfléchir aussi aux compétences. Mais qui fait quoi ? Ça viendra très vite, ça va se faire. L'important, c'est de se poser la question, effectivement, de l'importance des régions. Je crois que là, nous avons extrêmement bien fait de poser cette question. Moi, je félicite François Patria et son vice-président d'être allés si vite, parce qu'il fallait aller vite. Et la Bourgogne-Franche-Comté, ça résonne comme une évidence. Et ce n'est pas simplement le rapprochement de deux régions. C'est un autre panorama. C'est d'autres projets au regard de l'Europe qui sont posés par cette question-là. Et je pense que les citoyens, parce que vous avez raison, nous faisons cette réorganisation pour les citoyens, ils s'y retrouveront parce qu'ils auront des projets d'ampleur avec une compétitivité accrue au niveau de l'Europe. Ensuite, je voudrais quand même dire un mot en tant que conseillère générale, parce que je suis attachée à mon département. J'ai été vice-présidente à la culture, j'ai travaillé avec Arnaud Montebourg. Je peux vous dire qu'on a vécu des heures formidables au conseil général. On continue, on fait de belles choses. Et c'est vrai que c'est triste de se poser la question de la suppression d'une collectivité qui rend des services importants, qui a une myriade de fonctionnaires qui sont d'une compétence extrêmement importante et utile aux élus. Donc on a bien conscience de cela. Mais il faut regarder le vent de l'histoire. Et on s'aperçoit bien que le vent de l'histoire, c'est une intercommunalité qui grandit,
et je rejoins votre souci de décentralisation en disant cela. Nous avons donc en France des communes qui, à mon sens, si vous voulez, on y reviendra, doivent garder leur place parce qu'elles ont, elles sont les racines de la France. Vous avez des intercommunalités qui doivent, comme vous le disiez, atteindre une taille critique. Vous avez, qui vont pouvoir porter une partie des compétences sans doute du département, et puis vous avez la région, et ensuite vous avez la nation, et vous avez enfin l'Europe. Moi, je crois qu'on est au contraire de ce que vous pensez, on est dans une restructuration et une réflexion profonde de notre territoire qui ne peut pas se faire sans, en concomitance, la réforme de l'État. Et la réforme de l'État, elle est prévue également en concomitance avec ce projet de loi qui va être discuté à l'Assemblée nationale au sein de ma commission. Mais l'un appelle l'autre. Et je crois que le département, enfin, il faut le dire, c'est que le département, il n'est pas supprimé. Le département, c'est deux choses. C'est d'une part un conseil général, c'est-à-dire un organe, une collectivité locale avec un conseil général qui est l'organe de cette collectivité locale. Quand on dit suppression des conseils généraux, c'est un terme impropre. C'est la suppression d'une collectivité locale qui est en question. Et puis, vous avez une circonscription administrative qui est celle des préfets et qui ne va pas disparaître. Et sur leur plaque d'immatriculation, eh bien, les citoyens auront toujours marqué 21 ou 71 ou la Corse. Donc, ça, c'est pour rassurer les c'est moi, c'est pour rassurer. Non, mais non, à leur département. C'est pas seulement ça. C'est pour dire aussi qu'il est très important, en période de crise, que nous ayons un État fort sur le territoire. Et je crois que la décentralisation, elle doit se faire avec un État fort aussi, qui est là non pas pour brider les initiatives, mais aussi pour aider à la prise de décision, pour contrôler aussi la légalité et pour faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité du citoyen sur le territoire. Hier, dans une interview au Figaro, le secrétaire d'État à la réforme territoriale a estimé que cette réforme permettrait un gain annuel de 12 à 25 milliards d'euros à moyen terme. Ça paraît énorme. Est-ce que ce n'est pas finalement le premier des bons arguments en faveur de cette réforme ? Bah, moi, je crois que les économies, en fait, l'État les impose aux collectivités, faute effectivement, comme le disait Pascal Grappin, de les faire lui-même. Le bloc des collectivités locales, ça représente 200 milliards d'euros. Le budget de l'État, 400. Le budget de la Sécu, 600 au moins. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on demande là des efforts considérables, peut-être aux acteurs qui ne sont pas les plus dépensiers pour autant. Alors, moi, je voudrais revenir quand même sur la vision qui a été dessinée de l'avenir tel que l'a vu Michel Nogniot, qui mettait en avant effectivement des intercommunalités fortes et des très grandes régions. Moi, je dois dire que quand on vient au monde, on appartient à une famille, cette famille réside dans une commune, cette commune appartient à un département. Et là, ce que je vois, c'est qu'en réalité, depuis deux ans, c'est vrai que vous en prenez à la famille de façon assez importante. Maintenant, après le mariage pour tous, c'est le mariage des régions. Et donc, tout ça pour dire, on voit bien que vous voulez mettre à bas un certain nombre de repères, qui sont des repères, je dirais, quasiment spontanés, enfin, qui pour chaque personne. Et je dois dire que moi, ça m'inquiète, cette vision de très grandes régions avec des intercos en relais, parce que justement, s'il y a des très grandes régions, le département justifie d'autant plus sa présence. C'est d'ailleurs la conclusion d'un rapport sénatorial non partisan, puisque le rapport de M. Cratinger, sénateur socialiste, avec Jean-Pierre Raffarin, et qui dit justement, oui, allons vers 10 ou 12 grandes régions, là, il y a 4-5 semaines, ou 4-5 mois. C'est trop vieux. Faisons de grandes régions, 10-12 peut-être, mais à ce moment-là, le département conserve sa raison d'être, notamment au milieu rural. Encore une fois, je ne cherche pas à être un affreux réactionnaire, mais c'est la vérité, parce que parlons déjà de la région actuelle. Moi qui suis à 2h15 de Dijon, je peux vous dire que quand j'écris à la région pour des dossiers concernant Lyon, le Sénonais, je suis désolé, mais il m'arrive régulièrement de même pas avoir un courrier d'accusé de réception. Même pas. Franchement, non mais Michel, je vous promets. Par exemple, on a monté une très belle opération sportive et populaire que France 3 a relayé, The Tralion. J'ai écrit à plusieurs reprises aux différentes instances concernées au Conseil régional, mais même pas une lettre, même pas pour dire on a bien reçu, rien. Alors, une subvention, on n'en parle même pas. Donc, tout ça pour dire que moi, je m'interroge sur, effectivement, la raison d'être un peu de certains services régionaux, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas cette proximité, parfois, avec le territoire, et j'en suis un peu désolé, quoi. C'est la crainte, cette perte de proximité. Moi, je voudrais revenir quand même à l'essentiel. On est dans une crise économique.
qui fait ça, je pense que dégâts, tout le monde est d'accord. Qui fait des dégâts considérables sur l'ensemble des territoires. Et ce dont on s'aperçoit quand on est aux manettes, c'est qu'effectivement, la force de frappe que l'on a pour répondre à cela n'est pas assez importante. Et pour avoir un des objectifs de cette réforme, et notamment du regroupement des régions, c'est d'avoir une force de frappe assez importante qui ne peut se faire qu'à partir d'un seuil critique. On le voit bien en matière d'action économique. Mais cela, ce n'est pas à opposer avec la proximité sur le territoire, où effectivement, alors, m'excuse, le courrier, mais quelles que soient les liaisons sur toute la France, à peu près, suivant le timbrage, entre 1 et 5 jours, hein, c'est cela. Bon, c'est une erreur qu'on ne vous ait pas répondu sur ce point-là. Mais pour autant, est-ce qu'on va, à partir de cela, théoriser pour dire qu'il y a un abandon du monde rural ? Parce qu'on serait sur une circonscription trop grande. C'est l'inverse qui se fait à travers nos dispositifs, à travers des politiques différenciées. Est-ce que vous pensez, est-ce que les gens savent, par exemple, les politiques différenciées que nous faisons actuellement vis-à-vis du parc du Morvan ? 5 millions d'euros de fonctionnement payés par la région, qui est géré après localement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un éloignement et que le monde rural est isolé. Et quand vous parlez de famille, j'ai des enfants aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des études et leur boulot est dans la ville. Leur boulot est dans la ville. Et quand bien même ils veulent résider dans un lieu extérieur à la ville, se posent ensuite les problèmes de transport. Et vous ne pensez pas qu'en matière de transport, mais tout cela sous l'autorité des régions et des agglos, ce serait une bonne chose ? Et quand vous prenez sujet par sujet, vous apercevez que vous allez, au nom d'une certaine rationalité que l'on partage, vous allez vider l'institution Conseil général de l'essentiel de ses prérogatives actuelles. Et ce qu'il faut trouver, et c'est le débat qui est engagé par le président de la République, le Premier ministre qui aura lieu à l'Assemblée nationale, c'est effectivement prendre fonctionnalité par fonctionnalité, quelle est la strate la plus adéquate pour la porter dans le bien-être de tous les citoyens qui doivent être traités de la même façon. Pascal Grappin. Oui, moi, je pense vraiment que vous allez avoir, vous, journalistes, du pain sur la planche, parce qu'il va falloir vraiment que vous fassiez preuve de pédagogie. Parce que là, on vient d'entendre des contre-vérités. Et moi, je commence à en avoir assez, qu'on inculque en permanence, faut des grandes régions, regardez ce qui se fait ailleurs. Alors ce matin, j'ai encore fait quelques petits calculs, puis je vous ai amené des chiffres. On y va. 16 Länder en Allemagne, très rapidement. 16 Länder en Allemagne. Vous connaissez la taille moyenne des Länder en Allemagne ? Ce n'est pas les mêmes budgets, c'est pas les 22 300 km². 22 régions métropolitaines. Vous connaissez la taille moyenne des régions métropolitaines en France ? 24 700 km². Nos régions, en moyenne, sont plus importantes que les Länder en Allemagne. La Bavière, vous connaissez bien la Bavière. Mais on ont plus de poids tout à l'heure. Plus de... Alors on y va. C'est pas le même État. Organisation de ces régions concernant leur découpage. Alors j'ai quand même regardé un tout petit très peu. Très vite, moi. Très vite, Pascal Grappin, le temps passe. Oui, mais c'est quand même ce qui est important. La Bavière, c'est 7 districts, 71 arrondissements, 25 municipalités non intégrées, des villes, des marchés, des communes et des communautés d'administration. Alors arrêtez de nous dire que la taille est le point le plus important pour être efficace. C'est le meilleur pour répondre. Mais non. Ce qui va y avoir le journal. Comparaison vaut pas raison. On est dans une Europe de la diversité et notre histoire, l'histoire de la France, ne se compare pas avec celle de l'Allemagne. Moi, j'essaye pas de faire on ne fait pas ce que fait l'Allemagne. On essaye de faire ce que nous porte notre histoire. Et notre histoire, elle est faite de communes, elle est faite de fusion de communes. Elle est faite. Le département, il a 200 ans. Allez, on en parle dans 5 minutes. Je vous promets, on en parle dans 5 minutes. On en reparle dans 5 minutes. Pour l'instant, c'est l'heure du flash avec Emmanuel Pinsonneau. À tout de suite.